Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un petit tour devant Tanger Marché de Gonesse. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 mars 2023. On se retrouve très vite à l'intérieur. Allez, c'est parti, je vous fais un petit tour et je suis déjà à l'intérieur. Donc là, la pomme royale Gala, origine Espagne. 1,19€ le kilo. Vous avez la Golden aussi, 1,19€ le kilo. Voilà, ensuite il y a la pomme. Alors, ça c'est laquelle? Pomme Red Chef. Pomme Red Chef, c'est 99 centimes le kilo, mais ils ont mis samedi dimanche. La poire Conférence aussi, 1,49€ le kilo. Voilà, poire Williams, 2,39€ le kilo. Et le kiwi, 2,19€, c'est au kilo aussi. Les grenades comme ça de Turquie, c'est 1,99€ et c'est au kilo. Alors, je vous montre le prix du poivron qui est... Là, ça reste quand même, je pense, les moins chers. Donc là, c'est le poivron orange qui vient du Maroc, c'est 2,89€. Le kilo. Ensuite, vous avez le jaune qui vient du Maroc, 2,99€ aussi le kilo. Regardez, je vous montre bien, voilà, 2,89€, 2,99€. Le poivron rouge du Maroc, là, c'est 3,99€ le kilo. Ça vient du Maroc. Le vert, là, ça reste vraiment les moins chers. Là, donc du coup, pour le jaune, déjà, le orange, ça reste... Je pense les moins chers. Donc le rouge, je vous ai dit, 3,99€ le kilo, ça vient du Maroc. Le poivron vert, donc c'est 3,99€, ça vient du Maroc aussi. Ensuite, vous avez celui-ci, poivron point rouge, ils appellent ça. Comme ça, voilà, c'est celui-ci. Donc là, c'est 3,49€ le kilo, ça vient du Maroc. Et là, poivron corne vert du Maroc aussi, au kilo, c'est 2,69€. Voilà, et franchement, les étalages, hein, ils sont vraiment très bien fournis. La mandarine, comme ça, en feuilles, c'est 1,99€. Hop, le kilo, voilà. Les petits sachets de piment fort, comme ça, de Turquie, c'est 1,99€ pour 400 grammes. Le poireau, c'est 59 centimes la pièce. Alors, je vous rappelle que je suis à Tanger Marché de Gonesse dans le 95. Ensuite, il y a ça. Donc ça, c'est le piment, sachet de piment doux. 400 grammes, c'est 1,19€. Artichaut, comme ça, c'est le kilo, c'est 3,89€ et ça vient de Hollande. Vous avez les fèves au kilo, comme ça, c'est 2,29€. Par contre, ils n'ont pas mis l'origine. Voilà, le chou-fleur, c'est des toutes petites têtes, hein. Donc là, elles sont vraiment petites. Hein. C'est 1,49€ la pièce. Et ça vient d'Espagne. Voilà. Vous avez du chou, comme ça, chou pointu. Hollande, 2,29€. Ou bien il y a du chou blanc. Là, c'est des grosses pièces. C'est au kilo, 89 centimes. Ensuite, vous avez le chou rouge au kilo, 89 centimes aussi. Voilà. Le fenouil, 2,19€. 2,19€ le kilo, ça vient d'Espagne. Ça c'est le... Comment on appelle ça? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. La citrouille butternut. Enfin, une petite bouteille. C'est 1,49€ au kilo. Voilà. Avocat. Les avocats, 89 centimes la pièce. Ça vient du Pérou. La mangue, c'est 1,09€. La pièce, ça vient du Brésil. L'ananas, c'est 1,79€. La pièce, ça vient de Hollande. Ah tiens, il y a les nectarines. Nectarines, c'est 2,89€ le kilo. Et ça vient de, hop, du Maroc. Et les prunes rouges, c'est 2,29€ le kilo. Et ça vient d'Afrique. Voilà. Donc là, c'est bon. Et aussi la barquette de fraises, comme ça, 500 grammes, c'est 3,59€, ça vient d'Espagne. Ensuite, il y a de la pastèque, comme ça. Alors, la pastèque, je reprends, j'ai eu un petit bug avec ma vidéo, donc je reprends sur la pastèque.
Donc, je vous ai montré les fraises, mais j'ai peur que, avec le petit bug. Donc, c'est 3,59 € la barquette de 500 grammes. Et ça vient d'Espagne, la pastèque, comme ça. Alors, la pastèque, c'est tranché, c'est au kilo 1,89 €. Ça vient du Maroc. Alors, ils ont mis aussi pastèque entière, mais ils n'ont pas précisé si c'est. Ah, si, c'est au kilo, oui, 1,79 €, pardon. Voilà. Il y a les épinards comme ça, regardez, en sachet de 400 grammes, c'est 1,99 € et ça vient des Pays-Bas. Ensuite, ils ont des champignons. Donc là, champignons de Hollande, la barquette de 250 grammes. Ça, c'est 1,49 €. Ou sinon, il y a la barquette de. Et ça vient de Hollande, du coup, pour origine. Sinon, il y a ça, 500 grammes, c'est 2,19 € la barquette. Et c'est de, du coup, comme je vous ai dit, de Hollande. Betterave cuite, comme ça, c'est 99 centimes le sachet de 500 grammes. Voilà. Ensuite, il y a, vous savez, ce qu'on appelle de la cébette, comme ça, c'est 89 centimes. Voilà, je pense que c'est la botte. Ils n'ont rien précisé. Les mini concombres, c'est 4,99 €. Et ça vient de. Ah, la cébette, c'est de Hollande. Et les concombres, c'est d'Espagne, 4,99 €. Les mini concombres, le kilo. Voilà. Ou bien vous avez à la pièce. À la pièce, quand même, ça restait élevé, hein. 1,59 € la pièce. Voilà. Allez, je continue, les amis. Je vous montre aussi toujours à Tanger Market. Tanger Marché, pardon, de Gonesse. Donc là, c'est la semoule. Vous avez le grain moyen. Vous avez l'extra fine. Alors, normalement, il y a moyenne fine et extra fine. Il y a les trois, c'est le même prix. C'est des paquets de 5 kilos et c'est 6,99 €. Voilà. Ils ont mis promo. Et du coup, c'est cette marque-là, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Sachez qu'il y a extra fine, moyen et fine. À 6,99 € le paquet de 5 kilos. Voilà. Du coup, ils ont mis ça comme ça, vous voyez, pour que les gens ils puissent voir. Donc, celle-ci, c'est l'extra fine. Et du coup, celle-ci, c'est le grain moyen. Ils auraient dû mettre une petite pelle ou quelque chose. Ah, je suis pas trop fan de mettre les mains dedans. Voilà. Alors, je vous montre aussi le prix de la farine. C'est cette marque-là. Donc c'est là, je pense que c'est la type 46, ils ont mis ça. Ils se sont pas trompés là. Et du coup là c'est 99 centimes le paquet d'un kilo. Et ils ont noté comme quoi que c'était limité à 10 kilos par client. Voilà, donc ensuite il y a celle-ci, farine comme ça au blé complet. C'est la même marque que la semoule. C'est 1,19 €. Ah ben regardez, voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est 1,19 € pour 1 kilo. Voilà. Ensuite, le sucre en poudre, comme ça. Ça, c'est 1,09 € pour 1 kilo, pardon. Ensuite, vous avez le sucre de cette marque-là. Ah, c'est très connu, ça. Sucre lingot, comme ça, Sultan. 2,49 € le kilo. Ah, quand même, hein? 2,49 € le kilo. Voilà, c'est numéro 2 apparemment. Ah bah oui, parce que je pense que c'est du gros calibre en fait. Ensuite, il y a les cheveux d'ange comme ça de la marque, pareil. La même marque que la semoule Sydney. J'essayais de voir c'est de quel pays. Mais ouh, c'est grand petit, hein. Je sais pas. Enfin, bref, donc c'est 1,09 € 500 grammes. Ensuite, il y a le couscous comme ça. Couscous moyen, donc là c'est 1 kilo, c'est 2,39 €, toujours la même marque. Voilà. Ensuite, et c'est du grain moyen, calibre moyen. Ensuite, il y a cette marque-là. Oh, ça aussi, c'est. Et franchement, il est extra top. Moi, je l'ai déjà acheté et j'en étais ravie. Couscous moyen, donc cette marque-là, c'est 2,49 € le kilo. Voilà. Ensuite, le couscous. Je pense que le dari est aussi très connu. Hein. Le dari. Ah, tiens, 2,59 €. 2,59 €. Donc là, c'est du moyen. Voilà, 2,59 €. Voilà le prix. Donc, franchement, il y a plein, plein de choses. Hein.
Ah bah tiens, regardez, voilà, je vois ça. L'huile comme ça, l'huile de tournesol. Ah bah voilà, l'huile de tournesol. Ah mais attention, c'est 900 ml. Vous voyez, je pensais que c'était 1 litre. Donc non, 900 ml à 1,99 € pour 900 ml du coup. Alors les amis, je ne vous ai pas montré aussi, il y a tout un rayon huile que j'avais pas vu. Donc là, il y a cette huile là aussi. Voilà, c'est de l'huile de tournesol, hein, c'est pareil. C'est 1,99 € mais c'est 900 ml. Voilà. Donc, et du coup, il y a aussi, c'est limité à 5 bouteilles max. Voilà. Et il y a aussi la Bing All, voilà, à 2,99 €, mais on peut trouver moins cher celle-ci. Voilà, et c'est l'huile de tournesol raffinée. 2,99 €, c'est ça que j'avais pas vu et que je voulais vous montrer aussi. Enfin, je vous montre aussi les œufs frais comme ça. Taille M, c'est 6,99 €. Le plateau de 30 œufs. Taille M, et c'est ceux-là. Voilà. 100% halal, Tanger. Voilà, donc calibre M. Allez, je continue. Il y a aussi les olives comme ça, vertes dénoyautées. Donc là, c'est 850 grammes, c'est 1,89 €. Vous avez comme ça la tomate concentrée. C'est celle-ci. 830 grammes, donc là, c'est 2,99 €. Vous avez les pois chiches en bocal. Pareil, c'est la marque Sydney comme. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un bocal de 580 ml au prix de 99 centimes. Tac, voilà. Voilà. Ensuite, il y a un étalage où il y a tout ce qui est. Là, c'est aile de poulet. 27,99 € les 10 kilos. Donc, ils ont mis ça comme ça. Voilà, il y a 10 kilos. Là, donc c'est les ailes de poulet. Et du coup, pour les cuisses, ça c'est les cuisses de poulet. Halal. Donc, cuisses de poulet, c'est 20,99 € pour les 10 kilos. Voilà. Ensuite, il y a les grosses barquettes comme ça de viande hachée. Viande hachée, donc je pense que c'est conditionné en boucherie. Il y a une boucherie à l'intérieur de Tanger Marché. Donc là, c'est 17,42 €. Après, bien sûr, tout dépend du grammage que vous prenez. Là, il y a 3,490 kg. Ça dépend de ce que vous prenez. Et en haut, donc là-bas, il y a ça. Ça, c'est ce qu'ils appellent du gésier, je pense. Ou du foie. Non, c'est du gésier. Bien sûr, halal, hein, je vous montre bien. 2,52 € pour 1,013 kg. Voilà. Hop, je remets ça. Et là, vous avez des barquettes aussi, comme ça, de blanc de poulet. Voilà, blanc de poulet, comme ça. Donc, c'est 32,84 € et c'est pareil, c'est en fonction du poids que vous prenez. Voilà, donc là, par exemple, j'ai 5,060 kg à 32 €. Là, il y a 32,84 €, 29 €. Il y a 4,500 kg, 29,21 €. Enfin, franchement, ça dépend de ce que vous prenez. Et après, comme je vous ai dit, donc du coup, il y a une boucherie, hein, voilà, à l'intérieur de Tanger Marché. Donc là, par exemple, vous avez du poisson, de la dorade, c'est 6,99 € le kilo. Vous avez un côté où vous avez le poisson. Vous voyez? Voilà. Donc, par exemple, là, vous voyez, du saumon, 18,99 €. Vous avez de tout, franchement. Et la boucherie, elle est vers le fond. Je ne peux pas trop filmer parce qu'il y a du monde devant, mais en tous les cas, il y a une boucherie à l'intérieur. Regardez, kilo de merguez, 6,99 €. Voilà. Escalope de veau, 14,99 € le kilo. Rump steak, 13,99 €. Entrecôte, 14,99 €. Côte de veau, 14,99 € et blanquette de veau, 12,99 € le kilo. Du coup, voilà les amis, c'était ma vidéo chez Tanger Marché, donc qui je pense sera un petit peu longue, mais je tenais à tout vous partager comme à mes habitudes. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.